Moi, je l'ai joué en 2019, je ne l'ai pas joué l'année passée, puis il n'y en a pas eu. Mais c'est le fun de voir que Golf Québec s'implique beaucoup, puis ça nous fait un bel événement majeur pour les professionnels au Québec. Moi, je m'attends à ce que le calibre soit très bon. Je ne serais pas surpris de voir un moins 16, moins 18 gagner le tournoi. C'est un terrain que les greens sont pas faciles, mais il y a quand même beaucoup de chances de birdie. Donc je pense qu'il y a des joueurs qui vont en prendre avantage. Ma saison 2021 est un petit peu plus difficile. Des blessures, beaucoup de semaines en quarantaine. Fait que ça a été beaucoup sur la déprime depuis 2021, mais je me sens beaucoup mieux physiquement et beaucoup mieux mentalement aussi. Donc j'ai bien hâte au prochain stretch de tournoi qui commence cette semaine. C'est pas mal à toutes les semaines après ça des tournois. Donc j'ai vraiment hâte. J'aimerais ça faire un top 10. Top 10, je pense que ça serait un bon début pour la saison McKenzie Tour. Ça donnerait le beat pour le reste de l'été.